À l'occasion de cet anniversaire, l'équipe ISTEX de l'INIST a souhaité créer un corpus thématique sur le compositeur allemand Beethoven. Un corpus annoté et aligné avec les données de Data Doremus. Doremus propose un graphe de connaissances interconnectant les œuvres musicales des catalogues de la BNF, de la Philharmonie de Paris et de Radio France. Le choix d'istex comme ressource textuelle s'explique par la licence d'utilisation de la plateforme qui autorise la fouille de texte sur les documents du réservoir pour l'ensemble de la communauté d'enseignement supérieur et de la recherche, mais aussi par les nombreux points forts de cette plateforme. Pour limiter les post-traitements et obtenir un corpus aussi propre que possible et adapté à l'application et à l'outil souhaité, nous proposons une stratégie itérative qui s'appuie sur trois outils. L'API Istex qui permet d'interroger le réservoir Istex et d'explorer les documents au travers de son démonstrateur, la plateforme de téléchargement IstexDL qui permet d'extraire les documents et l'outil Lodex, outil open source qui permet de structurer les données brutes et de les visualiser une fois publiées dans un site web mais également de les exposer sur le web sémantique et le cas échéant de les aligner avec des données similaires ou connexes. Pour constituer notre corpus, nous allons interroger la base istex en nous connectant au site istex www.istex.fr et en sélectionnant dans la popine de service l'API, l'interface de programmation applicative, que l'on pourrait d'ailleurs interroger via son URL. Mais ici, on choisit d'utiliser plutôt le démonstrateur qui est plus convivial et qui permet d'explorer les résultats au travers de facettes. Une première recherche avec le terme Beethoven tout simplement ramène un peu plus de 19 000 documents. On peut constater que tous ne concernent pas la musique. Mais surtout, ce qui est intéressant ici, c'est cette expression avec apostrophe S qui exprime l'appartenance en anglais. Et qui nous suggère une autre façon de ramener des documents pertinents. Ce document en particulier est ramené parce que dans le PDF, que l'on a ouvert ici par un simple clic sur l'icône correspondante, on peut trouver le terme Beethoven tout seul dès le titre, ainsi que par exemple ici dans le résumé. Pour récupérer tous les documents qui ne contiennent que l'expression avec apostrophe S, on va modifier notre équation en ajoutant une troncature avec étoile. Avec cette équation, nous trouvons près de 27 000 documents. Et si on explore la différence avec les documents qui sont ramenés par Beethoven tout seul, donc les 7 000 documents qui correspondent à l'équation Beethoven-Étoile, note Beethoven, on trouve par exemple cet article dans lequel on peut remarquer que c'est Beethoven-Strasse qui a ramené ce document, et puis celui-ci dans lequel on découvre le terme Beethoven-Saal. On constate donc qu'on a du bruit. Pour pallier ce problème, on peut employer à la place de la troncature Beethoven-Étoile cette équation, Beethoven-OR, Beethoven-S, ou bien son équivalent sous forme d'expression régulière. Le nombre de documents a diminué, car l'équation cible deux formes de recherche, mais le volume est encore important. Et surtout, ces documents ne concernent pas toujours le domaine de la musique d'ailleurs, on le constate ici avec les facettes qui concernent les catégories scientifiques. Les catégories scientifiques correspondent à des enrichissements qui sont apportés au documents ISTex. Les catégories WoS Science Metrics et Scopus, l'étant par appariement, et les catégories INIST par apprentissage. Par exemple, si je clique sur les catégories Science Metrics, je constate que j'ai 189 catégories de niveau 1, 2 et 3. Il s'agit en effet de catégories hiérarchiques à trois niveaux. On constate qu'on a beaucoup de documents de musique, mais on a également toute une série de catégories qui sont beaucoup moins pertinentes, par exemple en économie ou encore en astronomie. De plus, si on explore d'un peu plus près les résultats, on peut voir qu'on a des documents qui sont ramenés par, par exemple, via Beethoven dans une affiliation d'auteur ou bien ici le nom Beethoven dans les remerciements. Malheureusement, il ne s'agit pas du compositeur allemand qui est remercié dans cet article. Et puis encore cette référence bibliographique qui contient Beethoven. Donc on souhaite affiner un peu plus pour avoir un corpus plus pertinent. Et pour cela, on va utiliser une équation qui va cibler certains champs à valeur informative plus élevée, comme le titre, le résumé ou les mots-clés d'auteur. Toujours en employant notre expression régulière. Cette équation nous ramène 510 résultats, ce qui est quand même peu. On peut souhaiter disposer d'un corpus plus volumineux, notamment pour pouvoir faire opérer des outils de fouille, tels que des outils de détection d'entités nommées que l'on compte pour notre part employée. Il faut donc élargir un peu notre équation sans trop générer de bruit. Dans ce but, on peut faire appel à d'autres types d'enrichissements présents pour tous les documents ISTEX, comme par exemple les entités nommées détectées par l'outil UNITECH, qui repère entre autres les noms de personnes. Cet enrichissement nous intéresse pour récupérer les documents qui contiennent le nom de personne Beethoven. On peut aussi utiliser l'enrichissement keyword.tift TIFT étant un outil qui permet d'extraire du texte intégral en anglais les termes représentatifs du contenu. Le problème, c'est que l'on n'a pas encore la possibilité de faire tourner ces outils sur des documents structurés. Donc, on va encore être confronté au problème du terme Beethoven retrouvé dans les affiliations d'auteurs. On choisit par conséquent d'exclure Beethoven étoile des affiliations d'auteurs. C'est cette équation qui va être utilisée à ce stade, qui nous ramène plus de 2700 résultats que l'on va explorer dans l'odex. À cette fin, on va extraire le corpus correspondant à l'équation que nous venons de constituer grâce à l'application de téléchargement de corpus IstexDL, à laquelle on peut aussi accéder depuis la popine de service. IstexDL propose différentes façons de requêter l'API Istex, par identifiant ARC mais également par équation booléenne classique, mode que nous allons employer. On obtient bien le même nombre de résultats on souhaite conserver la totalité des résultats ainsi que le tri qui est proposé par défaut. Et on choisit l'usage Lodex puisque c'est dans cet outil que nous allons explorer ce corpus. En sélectionnant cet usage, l'outil va choisir lui-même les formats de fichiers adaptés à l'outil Lodex qui seront exportés dans notre zip. Puis on lance le téléchargement. Nous avons désormais un corpus de documents sous forme d'archives ZIP extraits au moyen distex et qui contient les types de fichiers et de formats adaptés à un import dans l'outil Lodex grâce à la sélection automatique opérée lorsque nous avons choisi l'usage Lodex. Lodex est un outil open source utilisable par tout un chacun dont le code est disponible dans un dépôt GitHub auquel on peut accéder ici. La documentation utilisateur à laquelle on peut accéder grâce à ce lien fournit des indications précieuses pour installer l'odex, pour configurer sa propre instance, y importer des données et appliquer un modèle. Un modèle de métadonnées que l'utilisateur aura créé lui-même ou qu'il aura réemployé et adapté à ses besoins propres. Une fois ces données importées dans une instance l'odex, on peut les publier et les explorer. C'est ce que nous avons réalisé ici avec une première instance sur le corpus Ludwig van Beethoven, personnalisé avec des couleurs propres à ISTEX. Cette instance correspond au corpus extrait il y a quelques semaines et qui comportait alors 2743 documents répondant à la requête. Elle fournit un certain nombre d'informations générales sur l'origine du corpus, sur sa constitution, sur ses objectifs et applications, sur les droits liés à une éventuelle réutilisation, etc. Elle affiche en outre des graphiques qui permettent de visualiser le contenu du corpus selon différents angles de vue en exploitant les métadonnées et les enrichissements de chaque document du corpus. On va d'abord s'attacher au contenu scientifique et on s'arrête sur ce premier graphique sous forme de bulles de couleur qui représentent les mots-clés d'auteur par ordre de fréquence décroissante. On note des bulles un peu étonnantes compte tenu de notre équation comme Antarctique, Mercure ou Astronomie. Pour savoir à quoi correspondent ces bulles, on souhaite explorer les documents qui possèdent ces mots-clés. En cliquant sur la loupe, dans le menu du bas, on accède à la totalité des documents du corpus que l'on peut filtrer au moyen de facettes. La facette qui nous intéresse est celle des mots-clés. Comme toutes les autres facettes, on peut la déplier et trier les valeurs par ordre ascendant ou descendant sur le libellé ou bien par nombre de documents. Le tri par défaut nous convient ici et on va sélectionner Antarctique et Mercure. Six documents ont été filtrés sur les 2743. On peut les visualiser en cliquant simplement sur le titre et accéder pour chacun d'eux au PDF. Si on ouvre par exemple ce document et que l'on fait une recherche sur le texte intégral avec le terme de notre équation, Beethoven, on constate que cet article a été trouvé à cause du toponyme Beethoven Peninsula lieu situé dans la péninsule antarctique. L'exploration des différents documents filtrés montrera que le nom Beethoven est attribué à différents lieux de notre planète, aussi bien en Antarctique que dans l'océan Pacifique, mais également sur la Lune et sur la planète Mercure. C'est le petit inconvénient des personnages célèbres dont on utilise souvent le nom pour des toponymes. On verra plus loin comment affiner notre équation pour pallier ce problème. On peut poursuivre l'exploration du contenu scientifique de notre corpus grâce aux catégories scientifiques ScienceMetrics, Copus et WOS que nous avons déjà rencontrées dans le démonstrateur ISTEX. Ces trois classifications dotent un certain nombre de revues, via leur ISSN, d'une ou de plusieurs catégories. La chaîne de traitement ISTEX a fait hériter chaque document de l'une de ces revues de la ou des catégories attribuées à son ISSN. Cela nous procure un aperçu du contenu scientifique du corpus. Ici, par exemple, le graphique des catégories du Web of Science, ou WOS, se présente sous forme d'un réseau avec deux grands pôles qui correspondent d'une part aux sciences et d'autre part aux sciences sociales. Si on utilise cette classification, on comprend qu'il y a une multiplicité de thématiques dans ce corpus mais c'est également ce que l'on retrouve avec les classifications ScienceMetrics et Scopus, classification hiérarchique à trois niveaux, dont on voit ici les deux premiers niveaux, pour lesquels on peut noter que toutes les catégories de niveau 1 existant dans ces classifications sont représentées dans notre corpus, aussi bien pour Scopus que pour ScienceMetrics. Cela montre la grande dispersion thématique des documents. ScienceMetrics nous intéresse plus particulièrement car ce mode de classification n'attribue qu'une seule catégorie par ISSN à la différence des deux autres. Si on explore plus en profondeur cet arbre, en agrandissant ce graphique grâce au zoom et en dépliant par un clic les catégories de niveau 2, on confirme la présence de documents de géophysique, mais également d'astronomie et d'astrophysique. On peut constater à nouveau la multiplicité des catégories de niveau 2 et 3. Je ne les déplie pas toutes ici, avec bien souvent un petit nombre de documents par catégorie. En revanche, si je déplie la catégorie de niveau 2 relative aux arts, on découvre une catégorie de niveau 3, musique, qui elle contient un grand nombre de documents, 1208 exactement. Pour cibler plus finement notre corpus avec les thématiques qui correspondent au sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire la musique, on pourrait se restreindre à cette catégorie ou alors exclure toutes les catégories qui ne nous intéressent pas, même si elles sont très nombreuses, en combinant le cas échéant toutes ces classifications. Le problème, c'est que tous les documents ISTEX n'ont pas nécessairement une catégorie ScienceMetrix, ou Scopus, ou OS, dans la mesure où toutes les revues présentes dans ISTEX ne font pas forcément partie des listes traitées par ces classifications. Dans notre cas, cependant, nous avons découvert, grâce à un autre graphique, une solution plus intéressante. Il s'agit des titres de revues. Quand on visualise la liste des revues, on constate qu'une majorité des titres affichés dans ce graphique contiennent le terme musique, avec différentes orthographes, ou qu'ils sont en tout cas reliés à la musique, comme ce titre qui contient le terme opéra. Si je suis connecté à mon instance en mode administrateur et non plus utilisateur, j'ai accès, grâce à cette petite icône d'une roue crantée, à certains paramétrages que je peux modifier. Par exemple, ici, je peux supprimer une valeur de seuil qui permettait de limiter le nombre de titres de revues affichés et récupérer la totalité de la liste. En consultant la facette concernant les titres de revues, j'ai appris qu'il y avait 365 revues au total dans ce corpus que je vais pouvoir désormais découvrir dans ce graphique. On voit que la liste est effectivement extrêmement longue, avec très peu de documents pour la plupart de ces revues. Et avec au passage quelques titres de musique ici et là. Mais finalement, la majorité des documents se retrouvent bien dans les 15-20 premières revues qui étaient affichées dans ma première version du graphique. On peut en déduire qu'en ajoutant dans notre équation un champ qui cible les titres de revues de musicologie par l'emploi de termes liés à la musique, éventuellement tronqués pour récupérer le plus grand nombre de titres pertinents, je vais pouvoir affiner assez facilement la thématique de notre corpus. Dans cette première phase de notre exploration avec l'odex, on peut enfin se servir d'un autre graphique intéressant pour compléter notre équation. C'est le graphique qui concerne les langues de publication auxquelles on peut par exemple accéder via ce menu. Le camembert révèle, sans grande surprise, que la majorité des documents de notre corpus est en langue anglaise, mais qu'il y a également quelques documents dans d'autres langues, français, allemand et unknown, qui correspond en réalité au champ langue de publication non renseignée par l'éditeur. Sachant que la plupart des outils de fouille ne traitent qu'une seule langue, et généralement l'anglais, on décide de restreindre notre corpus à des documents en langue anglaise. Ce sont ces différents affinages de notre équation que l'on va appliquer maintenant dans le démonstrateur. Pour cette deuxième phase d'utilisation du démonstrateur ISTEX, on bénéficie des résultats de l'exploration dans l'ODEX. Dans l'ODEX, on a vu qu'on pouvait affiner notre équation en se restreignant à la langue anglaise et en ne sélectionnant que les titres de revues de musicologie. Cette nouvelle équation, que l'on teste ici sur le démonstrateur, Ramène un peu plus de 1800 documents que l'on va explorer non plus sous l'aspect scientifique, mais sous des aspects de qualité au travers de cette facette. Cette facette contient un certain nombre d'items, tels que le score de qualité, le nombre de mots du PDF, le nombre de caractères, la version du PDF, etc. Ce qui nous intéresse, c'est le nombre de mots. Un nombre de mots faibles en dessous d'un seuil évalué par expérience entre 80 et 140 mots par page peut indiquer un PDF ne correspondant qu'à une image qui ne sera pas exploitable en fouille de texte. Pour débusquer les PDF potentiellement problématiques, nous allons utiliser ce slider que l'on va faire baisser de proche en proche jusqu'à atteindre une valeur de 500. Pourquoi ce seuil de 500 et non pas de 140 simplement parce qu'on a constaté que la plupart des PDF contenaient entre 2 et 3 pages. En ramenant le seuil de ce slider jusqu'à 500, on restreint le nombre de documents correspondant à notre équation à 139. La question maintenant est de savoir quel est le nombre de pages de chacun de ces documents. Pour cela, on va utiliser un autre indicateur disponible dans l'API IsTEX qui indique le nombre de pages de chaque PDF. Notre équation, modifiée pour se limiter aux documents qui possèdent entre 0 et 500 mots, va interroger directement l'API STEX au moyen d'une facette pour connaître la répartition des documents en fonction du nombre de pages. Le résultat montre que sur les 139 documents, 122 contiennent une page, 7 documents possèdent deux pages, etc. jusqu'à un document de 22 pages. On prend le parti de vérifier les 122 documents d'une page qui ont un nombre de mots inférieur à 80. Ces documents ne contenaient pas de PDF image. On explore ensuite les documents qui comportent plus d'une page. Ils sont sélectionnés en utilisant cette équation, dans laquelle on exclut les documents PDF de page unique grâce à l'indicateur précédent associé à l'opérateur booléen note. Certains des 17 documents ainsi filtrés possèdent un nombre de mots par PDF conséquent. La vérification ici et là de ces publications nous permet de nous assurer qu'il ne s'agit pas de PDF images. En revanche, quelques documents affichent un nombre de mots égal à 9, voire à 0. Si on vérifie par exemple ce document dans lequel il n'y aurait que 9 mots, en l'ouvrant par un clic, puis en sélectionnant le texte réellement présent par CTRL A, on peut voir qu'effectivement 9 mots seulement sont grisés des mots qui correspondent à des métadonnées de l'éditeur. On peut d'ailleurs aussi le vérifier en ouvrant le format TXT de cet article. Il s'agit donc bien d'un PDF-image que nous ne pourrons pas exploiter en fouille de texte. Si l'outil de fouille que l'on compte utiliser ne traite que les documents au format PDF, on va devoir rajouter à notre équation un critère qui exclut ces PDF-images au moyen de notre indicateur. Quality indicators .pdf word count auquel on imposera, dans notre cas particulier, un nombre de mots supérieur à 9. En revanche, si notre outil de fouille traite des formats TXT, nous avons la chance, dans le cas de notre corpus Beethoven, au stade d'affinement défini jusqu'à présent, d'avoir des documents PDF images qui possèdent tous des versions OCR, c'est-à-dire que les formats TXT de mauvaise qualité, ont été Lorsque l'on téléchargera ce corpus, on aura simplement à sélectionner un usage personnalisé et à choisir parmi les types de fichiers et de formats proposés le texte intégral au format TXT, car l'application isTextDL est programmée pour préférer la version OCR quand elle existe. Comme elle existe pour tous nos PDF images, on disposera de la totalité de nos documents dans un format TXT exploitable. Un nouvel indicateur permettant de savoir immédiatement si des documents sont de type PDF image ou non sera prochainement disponible dans l'API ISTEX dès que les 23 millions de documents du réservoir ISTEX auront été réindexés avec ce nouveau critère. Une version future de l'interface ISTEX proposera cet indicateur nommé PDF Text qui nous permettra de télécharger un corpus en excluant directement les PDF images sans avoir recours à toutes les opérations détaillées précédemment. La deuxième extraction, via ISTEXDL, nous fournit un corpus de musicologie de 1864 documents que nous pouvons explorer comme précédemment avec l'ODEX. Bien entendu, les graphiques se sont mis à jour en fonction de ces nouvelles données. Ce à quoi on va s'intéresser maintenant, ce sont les dates de publication. Notre corpus s'étale à peu près sur 100 ans, de 1915 à 2013. On sait par expérience dans Histex que certains documents anciens peuvent poser problème pour une exploitation optimale en fouille de texte. On peut ainsi trouver des publications qui comportent plusieurs articles sur une même page ou parfois sur deux colonnes qui sont mal osérisées et dont le texte devient difficilement exploitable. On choisit d'explorer dans un premier temps les documents de la décennie 1910-1919, toujours en cliquant sur la loupe dans le menu du bas. On va utiliser la facette sur les dates de publication que l'on trie par valeur croissante des libellés. On sélectionne les années de la décennie qui nous intéressent pour explorer les documents correspondants. Ici, comme tout à l'heure, on peut sélectionner ce document et de proche en proche avec les chevrons naviguer d'un document à l'autre. Quand on ouvre par exemple ce PDF, on obtient ceci et on observe que ce document ne pose aucun problème particulier. Finalement, à notre grande surprise, on s'est rendu compte que les documents anciens dans le cadre précis de ce corpus Beethoven ne posaient pas de problème. Donc, le critère date de publication n'est pas retenu pour affiner notre corpus. Il le sera éventuellement pour réduire la volumétrie du corpus si elle est trop importante. Un autre graphique qui peut être intéressant, c'est celui des types de documents. On voit par rapport au corpus précédent que nous avons exploré dans l'odex que la typologie des documents s'est réduite, mais on a encore une petite dizaine de types différents. On peut comme précédemment les sélectionner à l'aide de la facette homonyme. Quand on a exploré les publications qui correspondent au type éditorial, conférence ou communication brève, on a pu constater que ces publications ne posaient pas de problème. En revanche, la catégorie Autre ou Other, qui avec 413 documents sur 1864 représente plus de 20% de ce corpus, comporte un petit nombre de publications gênantes, telles que des aratums, des sommaires des listes, voire de la publicité ou même des articles contigus, donc qui sont potentiellement sources de bruit. Et on peut donc souhaiter les éliminer. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé un critère que nous aurions pu utiliser dans notre équation pour les supprimer, tel qu'une date de publication, un titre de revue ou un éditeur. Et donc, si on veut garder l'ensemble des publications pertinentes de cette catégorie, on aura également un peu de bruit. Par contre, si on considère que la volumétrie est trop importante, on pourra toujours choisir d'éliminer ce type de document. D'autres graphiques peuvent nous permettre enfin d'affiner notre corpus. Ce sont ces indicateurs, les versions de PDF, les scores de qualité, mais aussi la présence d'un résumé. On a eu la surprise de constater que dans ce corpus Beethoven, la plupart des documents n'ont pas de résumé. Or, certaines applications de fouilles de texte nécessitent précisément un résumé. Cela peut donc fournir un critère supplémentaire à ajouter pour finir d'affiner notre corpus, selon l'application et l'outil que l'on vise. À ce stade, nous n'avons pour notre part pas trouvé de critères supplémentaires à ajouter à notre équation, sauf à vouloir réduire le volume. Prochainement seront implémentés dans l'API Istex d'autres paramètres, comme par exemple la présence ou non d'XML structuré qui pourront fournir d'autres critères pour compléter des équations et affiner un corpus. Les deux corpus que je viens de vous présenter, Ludwig van Beethoven version 0 et version 1, font partie d'une collection, la collection Beethoven, qui elle-même fait partie des corpus spécialisés, l'une des ressources de la plateforme Dataistex, auxquelles on peut accéder à nouveau via cette popine de service. Pour toute question ou remarque que vous auriez encore à l'issue de cette présentation, vous pouvez nous envoyer un mail aux adresses qui s'affichent. N'hésitez pas à nous contacter.